J-4, les Hongrois se prononceront ce dimanche pour ou contre la directive de Bruxelles sur la répartition des réfugiés entre les pays membres de l'UE. Le Premier ministre Viktor Orban, qui est à l'initiative de ce référendum, appelle à voter contre. Le saviez-vous, Bruxelles veut construire une ville de migrants illégaux en Hongrie, lit-on sur une pancarte du gouvernement. Des arguments qui trouvent un certain écho dans la population. Les autres pays qui ont accepté les migrants, dit cet homme, regardez les problèmes qu'ils ont, ils violent les femmes, etc. À Budapest, les affiches anti-migrants sont partout. 1 million de migrants veulent venir de Libye en Europe, assure celle-là. Une campagne tournée en ridicule par les partisans du oui. Le saviez-vous, 1 million de Hongrois veulent se rendre en Europe, répond ici le parti du chien à deux queues. Cette habitante de Budapest explique que la campagne du chien à deux queues est sa préférée. C'est la meilleure réponse, dit-elle, à la situation absurde créée par le Fidesz, le parti au pouvoir. Pour Amnesty International, Budapest est dans l'illégalité au regard du droit européen en refusant un accès réel à l'asile. Le gouvernement conservateur avait l'an dernier fait ériger une barrière aux frontières serbes et croates et fait de l'entrée irrégulière sur le territoire une infraction.